Bonsoir à tous. Le CAC 40 termine finalement la séance en légère progression. ESAFT a flambé logiquement aujourd'hui pour sa reprise de cotation pour venir s'ajuster sur le prix de l'offre formulée par Total. À retenir aussi une belle séance pour LVMH qui a profité d'un relèvement de recommandations de la part d'Exane BNP Paribas ce matin. Et puis Air France KLM qui a annoncé une hausse de son trafic passager de 2,5% pour le mois d'avril. Du côté des baisses à présent, les investisseurs ont sanctionné les résultats trimestriels de Natixis, marqués notamment par un recul de 30% de son bénéfice net. Une séance difficile aujourd'hui pour Nokia. Il faut dire que la nette contraction de l'activité au premier trimestre n'est pas passée inaperçue, même si dans le même temps, le groupe scandinave est parvenu à améliorer sa rentabilité. Les ventes de l'activité réseau ont particulièrement déçu. Elles sont en repli de 8% sur les trois premiers mois de l'année. Et sur l'ensemble de l'exercice, les ventes de cette division devraient diminuer. En cause, la faiblesse des investissements des opérateurs mobiles et l'intégration d'Alcatel-Lucent. C'est la fin de ce flash, on se retrouve demain à 9h30.